Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'application REP, qui s'appelle le nom entier l'application La République du Centre, qui est en fait le journal du Loiret. Donc ça va concerner tout le journal du Centre. Donc là, vous pouvez retrouver les dernières infos au journal du Loiret. Donc on va voir comment ça se présente. Donc on va cliquer sur ouvrir. Et là, par défaut, on est à la une, et là, ça regroupe les dernières actualités à la une du Loiret. Ou du centre, si vous préférez. Donc là, on retrouve les choses à la une. Ensuite, on peut retrouver, on peut rechercher, par exemple, si on cherche les dernières infos de notre ville ou village dans le Loiret, on a juste à descendre jusqu'à trouver notre ville. Donc on va prendre, disons, avec. On va prendre. Allez, Boisne. Donc je clique sur Boisne, et là, je retrouve les dernières actualités de ce village. Du coup, il y a vraiment plein de choses à découvrir intéressantes. Et là, pareil, je peux changer de ville et aller. On va peut-être changer, on va prendre Charme. Et je peux voir les dernières actualités de Charme directement sur cette application-là. Après, on peut découvrir le côté sport. Donc là, on retrouve toute l'actualité sport du Loiret. Donc pour ceux qui s'intéressent, que ce soit l'USO ou autre, pour t'informer des dernières actualités sportives du Loiret. On a un onglet, on retrouve les résultats sportifs du Loiret. Donc là, on voit que c'est une erreur, mais sinon, on continue. On trouve aussi un onglet loisirs, où là, par contre, il faut cliquer pour aller directement sur Internet, je crois. Et là, on peut retrouver les loisirs du Loiret. Un autre onglet, on peut découvrir tout ce qui est économie, ce qui est pas mal, mais bien sûr, c'est économie que du Loiret. Donc c'est vraiment une application où on retrouve, on va dire, le journal ou l'info du Loiret. Pour ceux qui habitent dans le Loiret, c'est vraiment parfait pour vous. Et bien sûr, l'info Covid-19 du Loiret, exactement, du Loiret Centre. Du coup, voilà. Et il nous reste à découvrir quoi? On a ici le côté France Mode, bien sûr, que du Loiret. Donc là, vous avez plein de trucs à regarder. Je veux un petit exemple d'article. Bien sûr, on pouvait lire des contenus directement ou des contenus vidéo. Et on va terminer avec en images. Donc là, on peut voir des photos de différentes choses, d'événements dans le Loiret. Donc ça peut être des articles, etc. Ou des vidéos, comme je t'ai dit précédemment. Donc là, on va attendre que ça charge, mais ça met un peu de temps. Donc du coup, voilà. Donc là, on peut regarder des vidéos. Donc on va prendre un exemple avec cette vidéo-là, tiens. Donc après, le défaut de l'application, c'est que les vidéos elles prennent vraiment beaucoup de temps à charger, du coup je vais passer. Donc du coup les avantages de cette application c'est qu'on retrouve tout le contenu journal du Loiret. Et les avantages c'est les vidéos qui mettent beaucoup de temps à charger sur cette application, voire qui ne fonctionnent pas, parce que moi ça ne fonctionne pas. Et pour finir un petit bonus, si par exemple vous êtes témoin d'un événement ou quelque chose que vous pensez que le journal du Loiret va être intéressé, vous cliquez sur témoin report, vous mettez votre nom, prénom, l'email, le lieu, la description, plus une photo du descriptif, et eux, ils vont faire un article sur cet événement, si ça les intéresse. Du coup, voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour découvrir d'autres applications sur votre téléphone Android, cliquez sur les perdus du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist, et là cliquez sur la playlist Applications Android intéressantes. Donc dans cette playlist, vous retrouvez déjà un nombre conséquent d'applications à découvrir, que ce soit des applications pour faire des économies, trouver des bons plans, ou des applications pour muscler son cerveau, et bien sûr d'autres types d'applications à découvrir. Et je vous remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible avec de nouvelles vidéos. A plus la team!